Bonsoir. Désormais, tous les samedis à 19h sur France 2, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. L'invité de ce soir est une comédienne extrêmement drôle et populaire, qui est aussi auteure et réalisatrice. Il se trouve qu'elle s'est beaucoup inspirée de sa vraie vie pour nous raconter des histoires sur scène et au cinéma. Mais c'était uniquement sa version. Ce soir, vous aurez droit à une autre version. Il s'agit de Charlotte de Turckheim. Dans un instant, Charlotte va s'installer dans ce fauteuil pour répondre à une interview. Mais je ne serai jamais seul face à elle, puisque certains de ses proches seront ce soir mes complices. Ils seront cachés là-haut, dans la bulle, et pourront me souffler leurs questions dans l'oreillette. Et surtout m'aider à aller plus loin et l'empêcher de travestir la vérité. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas elle. À la seconde où je vous parle, Charlotte de Turckheim est dans sa loge, enfermée pour tout vous dire. Charlotte ? Charlotte, bonsoir. Voilà, elle ne répond pas, c'est normal. Elle n'a ni le son, ni l'image. Elle est coupée du reste du monde. Tout se prépare à son insu et je vais pouvoir donc vous présenter mes complices. Ma première complice était l'héroïne du premier film réalisé par Charlotte au Mexique. Elles ont vécu ensemble des situations particulièrement cocasses. Merci d'accueillir Victoria Abril. Elles ont beaucoup de points communs, notamment le sens de la dérision et de l'autodérision. Bonsoir Victoria. Hola, Federico. Ma deuxième complice connaît Charlotte intimement, elle est comédienne, auteure et réalisatrice. Voici Michel Bernier. Vous imaginez facilement les fous rires qu'elles doivent partager ensemble. Bonsoir Michel. Le public découvre que vous êtes amis. Il le sait. Oula, on va plus compter les années parce qu'après ça va nous faire de la peine. Et on est là pour se marrer quand même. Exactement. Voilà. Alors attention, on continue. Mon troisième complice, c'est le meilleur ami Charlotte. Il est scénariste et travaille avec elle depuis plus de 30 ans. Voici Jean-Marie Dupré. Alors Jean-Marie Dupré habite dans le même immeuble juste en dessous de chez Charlotte. C'est vous dire s'il la connaît bien. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, très bien. Enfin, Charlotte a beaucoup parlé des aristos dans ses spectacles et dans ses films. Ce soir, vous allez assister à la revanche des aristos. Merci d'accueillir la baronne du Pédénon. Alors, vous aurez reconnu Armelle, qui n'est pas une vraie aristo, mais une vraie comédienne. Elle est prête à défendre les aristos coûte que coûte. Je sais pas comment on fait. Bon, vous êtes prête à mettre le paquet dès qu'elle abordera le sujet? Nous n'hésiterons pas. Alors, j'ai une question. Pour de vrai, vraiment pour de vrai. Oui. Est-ce qu'à votre avis, elle a un indice, elle sait que vous êtes là, sincèrement? Ah non, de ma part, non. Non. Elle ne peut pas les savoir, mais moi, je ne les savais pas il y a 3 ans. Je vous laisse rejoindre la bulle, par là. Par là. Alors, pour éviter les gaffes, vous n'avez plus de prénom maintenant. Vous êtes complice numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Je vous laisse vous installer. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que d'autres complices viendront nous rejoindre pendant l'émission par une porte secrète. Et puis, si vous nous rejoignez, sachez que dans un instant, tout le monde va me souffler des questions. Cette bulle est insonorisée. Et donc, tout le monde va les entendre, ces questions, le public, les téléspectateurs, sauf Charlotte de Turckheim. D'ailleurs, avant qu'elle n'arrive sur ce plateau, j'aimerais que mes complices disparaissent. On me signale que Charlotte est en train de quitter sa loge. Je le vois sur l'image. Donc Charlotte de Turckheim, ce que je peux vous dire, c'est que pendant 52 minutes, elle va passer par toutes les émotions. Nous avons préparé beaucoup de surprises. Voilà, surtout vous allez découvrir sa vie et son parcours comme elle ne vous l'a encore jamais raconté. Visiblement, elle n'a pas la même mémoire que ses amis. J'attends qu'elle soit prête à intervenir sur le plateau. Elle a l'air extrêmement surprise, ça me fait beaucoup rire. Je ne sais pas encore si elle est heureuse d'être ici ou si elle regrette d'avoir accepté l'invitation. Je sens qu'elle est prête à intervenir. Mesdames, messieurs, merci, je vous demande d'accueillir tout de suite Charlotte de Turckheim. Bonjour.
On a envie d'être dans votre tête, soyez sincère, à cet instant précis. Oh là 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 là, c'est intriguant cette affaire. Bon, Charlotte. Oui. Très sincèrement. Oui. Vous êtes prête à parler de tout ce soir? Non. Il y a des choses que vous ne voulez pas aborder? Bah évidemment, oui. Par exemple? Bah je vais pas vous le dire parce que je vais pas les aborder. J'ai tenté, c'est pas grave. Mais bon. Crois que je suis con ou quoi? Vous êtes détendu? À moitié. Non, parce qu'on a du mal à savoir avec vous. Vous savez que vous vous marrez tout le temps. Oui, mais plus je me marre, moins je suis détendu. C'est un indice? C'est un indice. Vous savez qu'en fait, bah, nous, on a enquêté, hein, on a rencontré oui, à peu près 50 personnes de votre entourage. 50 personnes? Ouais. Oh là là, j'ai les jetons. Des gens très vieux, très anciens? Ben non, ils sont pas vieux, ils ont votre âge. Oui, très jeunes, alors vous Bah ça va, vous êtes sympa de vous marrer. Dites-moi dès maintenant les sujets qu'on ne peut pas aborder pour que je fasse pas de gaffe. Un truc qu'on a vécu ensemble. Vous décidez de balancer comme ça. Et ça, c'est une technique à laquelle je ne céderai pas. Vous tentez l'intimidation, c'est ça? Je joue l'intimidation. Vous jouez l'intimidation. Voilà, comme ça, je me dis, s'il me fait chier, je le tiens. Bon. Alors, non, ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, on a interrogé plein de gens qui ont raconté plein de choses, des choses que vous avez oubliées, ça j'en suis sûr. D'accord? Parmi ces gens, certains ont accepté de venir ici pour des raisons qui leur appartiennent. Oui. Ils ont envie de dévoiler des choses. Oh là là! Au public. Non, mais pour de bon. Et j'aimerais qu'ils apparaissent sur ce plateau. Mais où ils vont apparaître? Alors, le public et les téléspectateurs les voient. Vous les mettez derrière, ils sont juste derrière vous, regardez. Vous avez compris ce qui se passe? Mais pourquoi vous vous marrez, vous? Je vous laisse vous asseoir. Vous les avez vus, les gens, c'est ça? Oui! Je veux... On dirait que c'est guignol. Et ils sont cachés derrière? Oui! Et j'ai l'air d'une conne? Voilà, donc maintenant, j'aimerais que le public mette un casque. Mais que c'est bizarre, tout ça. Voilà. Et donc, à partir de maintenant, les téléspectateurs et le public vont entendre les questions qu'on va me souffler dans l'oreillette. Et vous n'entendrez rien. J'aimerais qu'on fasse un petit essai d'oreillette. J'ai accepté de participer à ce Muppet Show pour défendre la noblesse française. Je ne répéterai pas, ce serait un indice. C'est horrible. On se sent seul au monde. C'est horrible parce que vous vous éclatez de rire. Ça rend super parano parce qu'on voit des dizaines de gens qui se marrent en vous regardant. Et en plus, on sait même pas pourquoi. Bon, alors, on va dans un instant plonger dans votre vie, votre parcours. Mais ce que je voudrais signaler au public, parce que j'ai peur d'oublier, c'est que vous êtes en train de faire une tournée mondiale. Tout de suite, un extrait du spectacle, regardez. Vieillir, c'est dans la tête. Tu parles, vieillir, c'est sur la gueule, ouais. Alors déjà, dans les salles de sport, tout le monde se parle comme si on était amis, sous prétexte qu'on maigrit ensemble, comme une espèce de confrérie du gras. Oh bébé, tu te souviens de ton Marseillais? Oh le Marseillais. Le Marseillais, celui qui te parlait en faisant l'amour, là. Oh bébé, oh fais-nous le Marseillais qu'on rigole. Tu te régales, hein? Ah, mais dis-le que tu te régales, con! Ah, c'est pas à Paris qu'on te régale comme ça! Et le Canadien, Babette? La ceinture, la ceinture! La ceinture, la ceinture! Oh, la ceinture, la ceinture! Mais pourquoi est-ce qu'il lui parle de sa ceinture? Combien de nationalités t'as essayé? Bah, à 17 ans, j'avais fait l'Europe des 6. À 25, l'Europe des 12. À 15, l'Europe des 30. Et là, je me tape pour l'élargissement à la Turquie. Charlotte de Turquie, ça va nettement mieux. Alors moi, je m'adresse aux téléspectateurs parce que j'ai vu le spectacle. On rit toutes les 4 secondes. D'accord? C'est bon pour les abdos. Et donc, vous serez à Boulogne-Billancourt du 23 au 27 septembre. Et si on ne voit pas Boulogne-Billancourt, on peut vous voir à Los Angeles. On peut me voir à Los Angeles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous jouez là-bas? C'est quand même rigolo, non? Mais c'est vrai que quand on m'a appelé... Est-ce qu'on va lui toucher le cul à Los Angeles? Mais quoi? On me demande de vous demander si on va vous toucher les fesses à Los Angeles. Alors, je vois à quoi cette personne fait allusion. De quoi parle-t-elle? Et non, j'ai rompu avec cette petite tradition, parce que justement...
Je voulais éviter qu'il y ait des connards planqués qui me posent un jour cette question. C'est quoi, c'est pas compris. Il y a très longtemps, c'était lors de mon premier spectacle, une journée chez ma mère, je jouais à Lyon, chez des copains. J'avais donc un trac pas possible et je ne sais pas pourquoi, je crois que c'était Philippe-Jean Gréco qui me dit « Si jamais on te touche pas le cul avant, ton spectacle ne va pas marcher. » Il est malin. Très malin. Et donc, je me suis laissée toucher les fesses tous les soirs. Mais donc, c'était vachement gênant, parce que quand on arrive en tournée, par exemple, à Nancy, eh ben, c'est les pompiers, par exemple, qui sont là. Je me suis dit, bon, après ce spectacle-là, je ne recommence pas avec cette connerie. Et maintenant, j'ai d'autres petits rituels, mais pas celui-là. D'accord. Bon, vous êtes prête? Oui. C'est parti. Frédéric, essayez d'éviter de lui parler de son côté aristo, parce que s'il y a un truc qui l'horripile, c'est bien ça, le côté bête curieuse aristo, ça va être l'enfer. Tu parles-en pour qu'on défende un peu les choses. Alors on me dit, évitez de lui parler de son côté aristo, ce côté bête curieuse, elle déteste en parler. Ouais. C'est vrai? Bah, c'est pas ça, c'est qu'on me parle que... Enfin, on parle énormément de ça. À propos de fesses, on lui parle toujours de sa particule, quoi. Les aristos. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais lui demander si ça va nettement mieux côté cul? Je vais faire les aristos. Alors, il se lâche déjà. Oui, oui, allez-y, je vais répéter après. Je vais faire les aristos, comme ça, on m'en parlera plus. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que vous dites « Oui, on m'en parle tout le temps, on m'en parle tout le temps. » C'est vous qui en parlez tout le temps. Jamais. Vous en avez parlé dans votre spectacle. Vous, mais qu'est-ce qu'il en a parlé, là? Ça transpire par les pores de sa peau. Une journée chez ma mère. On me dit que ça transpire par les pores de votre peau. Que quoi? Que votre aristo. Côté aristo. Oh, mais ça, bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais sérieusement, une journée chez ma mère, ça ne parle pas du tout du côté aristo. Ça parle du côté du... Aristo fauché, c'est votre histoire. Oui, mais il n'est jamais dit à aucun moment qu'elle est aristo dans le spectacle. Ce port de tête, ça se voit tout de suite. Regardez le spectacle. On dit que vous avez quand même le port de tête. Hein. Ah, peut-être. Le nez aussi, pareil. Et pourquoi elle a gardé son nez d'aristo, alors? On me demande pourquoi vous avez gardé votre nez d'aristo. C'est le nez de Louis XVI, monsieur. Mon nez d'aristo. Est-ce que c'est vrai que c'est le nez de Louis XVI? Alors, juste pour comprendre, le nez, on a essayé de vous le faire changer? Oui. Qui? Un comédien, dont je tairai le nom, et qui m'avait dit très gentiment, tu sais, avec un nez pareil, tu feras jamais carrière. Donc moi, je m'étais dit, si c'est juste une histoire de se faire refaire le nez, je vais le faire refaire. Alors, et en même temps, je trouvais ça un peu... Il y a des gens qui font des jeux de mots, vous seriez appelé René à ce moment-là. C'est très amusant. Et c'est ça qui vous fait marrer. Allez-y, allez-y. Donc, je prends rendez-vous chez un chirurgien esthétique. Le médecin me dit... votre nez, en fait, il est pas si mal que ça. Vous voyez, il est plutôt fin, etc. Bon, de profil, il y a une petite bosse. Mais on peut peut-être gommer un peu la bosse. La bosse de Louis XVI. Il est là, le chirurgien esthétique. Et il me dit, mais en fait, je voyais qu'il prenait un peu des gants. Il me dit, mais en fait, c'est pas le nez votre problème. Alors, je dis, ah bon, c'est quoi le... C'est le bourbon. Il me dit... J'ose pas répéter. Bref, j'ai compris au bout d'un moment qu'il m'expliquait qu'il y avait que le nez qui était bien, il y avait tout le reste qui était à refaire. Voilà. Donc, j'avais les yeux. Vous avez gardé le nez. Bon. Est-ce que des gens qui sont là peuvent me parler un petit peu de son enfance? Parce que vous avez parlé du côté aristo, vous avez grandi dans un milieu assez fermé. Demande-lui oui, d'un son. Si elle a souvent traversé la place de l'Alma quand elle était petite. C'est ça, on me demande de vous demander si avant l'âge de 15 ans, vous avez beaucoup traversé la Seine quand vous étiez dans le 16e. Expliquez-nous. En fait, j'habitais le 16e arrondissement. Mais attention, le bon 16e. Ah oui, madame, excusez-moi. Excusez-moi. On n'avait pas d'amis qui habitaient à Belleville, on n'allait pas dans le... On n'est pas dans le 18e, on n'allait pas dans le 20e, on ne savait même pas que ça existait. 18e, c'est un siècle. Le 18e, c'est un siècle, on me dit dans l'oreille. Voilà, exactement. On ne s'habille pas n'importe comment non plus. Est-ce que vous pouviez vous habiller n'importe comment à l'adolescence? Non, on ne pouvait pas mettre n'importe quoi. D'abord, en dehors du gris, du bleu marine, du vert bouteille, Vous oubliez la liberté. Des petits cols blancs. C'est quoi le Liberty? Ah, le Liberty. Le Liberty, c'est très sympa. Le Liberty, c'est un petit... C'est du tissu anglais fleuri, assez cucu à praline. C'est ce qu'on appelle le chic et moche. Trop quand j'étais petite. C'est ce qu'on appelle le chic et moche. Nous, on trouvait ça chic et joli. C'est l'autre gros con derrière qui trouve ça moche. Vous étiez à l'école où? Moi, quand j'étais petite, j'étais dans un cours qui s'appelle le cours Victor Hugo.
D'accord, vous aviez un uniforme. Ah oui, on est en uniforme. Comme ça? Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et là, c'était bleu marine, blanc avec un béret. Mais déjà, ah oui, ce côté macaron alsacien. Je me suis toujours demandé. Il y avait un côté macaron alsacien. Ah oui, mais c'est des, j'ai des petites couettes. Il y a un complice qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien installé? Je suis bien installé. Donc, dans cette enfance... Oh, arrêtez avec cette musique, c'est impossible. C'est ça qui fout les jetons avec cette lumière, là. Vous pouvez pas éclairer normalement. Mais vous vous sentiez différent. Il y avait beaucoup d'interdits, d'après ce que j'ai compris, quand même. Il y avait beaucoup de conventions. Ce que je voudrais comprendre, c'est, avec les garçons, genre le premier baiser, comment ça se passe? J'hésite entre deux. Ça fait longtemps, quand même. Hein. Je pas crois que suite, le premier tout premier baiser, c'était en Angleterre. Premier baiser en Angleterre, oui. Mais j'hésite avec un jeune surfeur au Trocadéro. Son premier grand amour était un dangereux gauchiste, il faut qu'elle l'avoue. Un dangereux gauchiste, on me dit. Qui ne payait même pas l'impôt sur la fortune. C'était pas... Qui payait même pas l'impôt sur la fortune, on me dit. C'était pas un dangereux gauchiste. Ouais. Ça, c'est forcément quelqu'un de ma famille qui dit ça. Ouais. Parce que dès que quelqu'un est à gauche, on dit pas un à gauche, on dit un dangereux gauchiste. Voilà. Et là, c'était juste un jeune homme, ouais, très animé par des idées de gauche, ouais, très au service de la gauche. Il était à la fac. Il animait le mouvement le plus, j'ai dit, effectivement, à gauche de sa fac. Ouais. Et voilà. Et ouais, il voilà, est toujours resté à gauche. Voilà. Il est resté à gauche. Vous savez, vous et moi, connaissez... c'était effectivement très... C'était vraiment mon premier amour de... Vous aviez 15 ans. J'avais 15 mais ans. Mais c'était un trotskiste. Oh, il était grand. Il avait genre 19 ans, 20 ans, il était à la fac. Et est-ce que c'était un trotskiste? Trotskan, un trotskiste. Je crois, oui. Ouais. Mais ça ne s'appelait pas comme ça. Je vais pas vous d'accord, dire ça. Vous ne voulez pas dire son nom, ça? Ah non, bah parce qu'il est toujours très, il est toujours très engagé à gauche. Il est dans la politique? Oui. Il est connu? Un peu. Sympa. Non, non, je vous jure, pas très connu. En fait, je sais pas, pour ceux qui s'intéressent à la politique, un peu. Merci ouais, pour lui. Donc, Charlotte n'a jamais beaucoup aimé la politique. Mais c'est pas non plus... c'était un amour d'enfant, presque. C'est pas non plus... D'enfant. N'exagérons rien, quand enfant, même. Enfant. Oui, mais enfant, après... Enfant, vous aviez 15 enfant ans. Enfant avec il la langue, quel âge, hein. Bah, 20 ans. 19 ans. Mais il m'a largué comme une vieille chaussette, hein. Ouais. Il vous a largué comme une vieille chaussette. Ah oui, parce que quand il allait en réunion, si vous voulez. Non, comme une vieille poulaine. Chez c'est les ça, nobles, on dit une vieille c'était, poulaine. C'était pas top classe d'arriver avec une fille qui s'appelait Anne-Charlotte de Turckheim. D'accord. Exactement. Donc un jour, dans le RER, il allait à une réunion et il m'a dit bon, ben voilà, bon, au revoir, tu vas descendre. Dans le RER, quelle horreur. Et dans les interviews, vous avez parlé de lui sans jamais donner son nom. Pourquoi? Parce que c'est pas non plus, on n'a jamais été ensemble. Si vous voulez, ça donnait aussi une importance. C'était dans ma tête de jeune fille, totalement romanesque, ce que ça avait. Pas que dans la tête. Et puis, je sais pas, c'est parce que. On me dit pas que dans la tête. Hein? Mais si, pas... alors là, je vous promets. C'était resté très platonique. D'accord. Ouais. Ça a quand même duré un an. Ça a duré combien de temps? Je sais pas. Six mois? Oui, même... Six mois. Même pas? Je m'en rappelle. Bon, vous avez donné deux indices dans les interviews. Vous n'avez jamais donné son nom. Vous avez donné deux indices. Vous avez dit ça commence par un C, son nom, et il est à gauche. Vous c'est n'assumez pas. Ségolène Royal. Ah non. Mais bien sûr que j'assume parce que j'en parle. Mais je veux pas. D'accord. Je veux pas non plus donner une importance. D'accord. Mais moi, j'ai enquêté. Oui. D'accord. Je l'ai rencontré. Ça commence par un C. Il est à gauche et il a accepté de m'accorder une interview. Regardez. Jean-Pierre Chevènement, avec Charlotte de Turckheim, vous avez eu une grande histoire d'amour. Est-ce que vous êtes prêt à en parler? Je suis assez libre d'esprit à ce sujet. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, Charlotte de Turckheim, elle, a décidé de cacher cette idylle. Est-ce que vous pensez qu'elle en a honte? C'est tellement ridicule que ça ne mérite même pas un commentaire. Oui, et en même temps, on raconte qu'elle aurait quitté Lionel Jospin pour aller avec vous. Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut? Monsieur Jospin devrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles cette désaffection s'est manifestée. Je ne pense pas que ce soit à cause de Jean-Pierre Chevènement. Puisque vous êtes franc, est-ce qu'on peut savoir si c'était un flirt, comme Charlotte de Turckheim le dit, ou est-ce que ça a été consommé? Je ne réponds pas. Ça mérite d'être clair, on respecte. Est-ce qu'en revanche, avant de terminer, vous auriez un petit message pour Charlotte, quelque chose que vous regrettez? Je préférerais simplement qu'elle s'appelle Constance. Bon, vous avez compris, on en a fait un gag. Vous ne savez pas qu'elle était avec Mr Bean? Ça va peut-être pas ce qu'on vient de dire.
On en a fait un gag, c'était réalisé avec trucage évidemment, d'accord? Parce que moi je suis très embarrassé, j'ai remarqué que vous n'aviez jamais dit son nom dans la presse, c'est parce que vous n'assumez pas, c'est ça? Sous mes ailes, je suis très discrète. D'accord. Je raconte rien, en fait, comme vous avez pu remarquer. Bien moi Charlotte, j'assume. Asseyez-vous Charlotte. Alors ça, j'aurais jamais pensé que t'oserais. Mais non, mais en même temps, je trouve qu'il faut respecter quand même la vie privée des gens. Vous avez toujours respecté. Mais oui. Vous aviez à l'époque 15 ans, 17 ans. Ouais. Tu avais 17 ans? Non, j'avais 18 ans, 18 ans. Détournement de mineur. On me dit détournement de mineur, mais il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. C'était donc, platonique. C'était très platonique. D'accord. Très platonique. À la fac? J'étais à la fac, mais j'étais à Avignon, chez ton père. Absolument, tu campais dans le jardin. Tu campais dans le jardin, au bout du jardin. Je me souviens très bien qu'il campait dans le jardin, et mon père me dit, va dire bonjour un peu aux gosses, là, des gens avec qui je travaille, qui campent dans le jardin. Et moi, à 15 ans, tu dis... Et tout d'un coup, je le vois, lui et son pote, et tout d'un coup, je dis, bonjour. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a attiré à l'époque? Oh, c'était son côté, son côté rebelle, justement. On me dit ses cheveux. Ah oui, oh là là, t'avais des cheveux extraordinaires. Ah oui, il avait des cheveux extraordinaires. Non. Le public vous comprend. Là, on dirait un aristo comme moi. Mais là, c'était une tenue particulière. Oui, c'est parce que... Le papier peint est d'époque. Charlotte. On me dit le papier peint est d'époque. Et la coiffure aussi. Le contexte de la photo, peut-être. Eh bien, c'était juste avant d'aller à un rallye auquel Charlotte m'avait invité. C'est vrai? Eh oui. Tu m'avais présenté à tes amis, à ton milieu. Quelle horreur. Voilà, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui vous a séduit chez Charlotte quand elle avait 15 ans? Elle me faisait rire. Ouais. Déjà. Vous dites qu'elle me faisait rire, c'est pas trop sympa. Physiquement, elle vous plaisait? Non, mais physiquement, elle me plaisait. J'adorais ses yeux, j'étais fasciné par elle. Moi, physiquement, je vous comprends pas à l'époque. Je la préfère aujourd'hui. J'aimerais qu'on voit juste une photo de l'aile à l'époque. Vous aviez un drôle de goût. C'est pas une photo de vous à l'époque, ça? Allez, c'est Jean-Christophe qui va. C'est cette fille-là qui vous a séduit à l'époque ou pas? Non, pas tout à fait. Non. Mais d'où sort cette photo alors? Ah, ça, c'est des essais. D'accord. Que j'avais fait pour un personnage où j'ai des prothèses dans le nez, partout. Vous êtes rassurante. Donc, c'est et je trouve ça vraiment rigolo. Bon, qui, pour de vrai maintenant, comme ça on n'en parle plus jamais, qui a quitté l'autre? Oui, c'est moi. J'ai fait comme tous les mecs, j'étais un peu lâche. Et donc, je lui ai dit, je m'en vais, je peux pas t'emmener à la réunion. Et donc, elle a pas compris, elle est descendue. Et voilà. C'est la dernière fois qu'il a pris le RER, d'ailleurs. Et on vous demande, maintenant vous êtes un éléphant du PS, député de Paris. C'est quand la dernière fois que vous avez pris le RER? Eh bien, tout à l'heure. C'est vrai? Oui. J'ai ma carte, si vous voulez. Oui, mais on va vérifier. On va vérifier, parce qu'il est à gauche, hein, toujours. Moi, je voudrais vous remercier très sincèrement d'être venu. Non, personnellement, c'est un trucage, bien entendu, je le dis à sa famille. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis, merci. Que vous vouliez dire? Alors là, je reconnais que je suis sciée. C'est-à-dire? Ben, je trouve que, justement, pour quelqu'un qui a des fonctions quand même importantes comme lui, c'est pas évident, je trouve, de... Et pourtant, je trouve ça vachement courageux. Et touchant. Oui. Parce que j'ai cru comprendre pendant l'enquête, parce qu'on a préparé l'émission avec lui, il avait vraiment envie de savoir si c'était important pour vous. Ça avait l'air important pour lui à l'époque. Comme quoi, hein. Votre premier film? Bon, toute première fois que j'ai fait du cinéma, je crois que c'était un tout petit rôle dans le film de Patrice Lecomte, quand j'ai eu du texte. Hein. D'accord. Pourtant, le public a l'air au courant du fait que vous ayez tourné un film porno. Ah ben oui, bien sûr. Oui, mais ça, j'étais pas actrice. Expliquez-nous. Je savais même pas. Il n'y avait pas de texte, d'accord. Je suis une des seules filles. Vous n'étiez pas actrice parce qu'il n'y avait pas de texte, en fait. Mais c'est vrai que c'est une histoire en fait qui est absolument... C'est grotesque parce qu'au cours de théâtre, on voit des annonces pour qu'il y ait des figurants pour faire un film. Bon, nous on était au cours, avec ma copine on y va, et à l'époque c'était super bien payé. On nous dit que le film s'appelle Le Gibier, et que nous ce qu'on a à faire c'est de faire du vélo. Le Gibier, chasse et tradition. Ouais. Donc... On y va et on passe toute une journée à être filmé, à faire du vélo. On nous avait simplement demandé de venir avec une jupe plutôt un peu courte. Ouais. Et après, on nous a invités à voir les rushs. Ouais. Les rushs, c'est quand vous voyez ce qui a été filmé de toute la semaine. Et là, on voit le contre-champ. Et en fait, le gibier, c'était nous. Et en fait, les mecs étaient planqués derrière les arbres. Et stripotaient, se faisaient leur petite affaire en disant « Tiens, là, le gibier !» Et le gibier, c'était nous. Eh bien, voilà les gibiers. Et puis, on ne voulait pas retrouver, c'est pas possible. C'est-à-dire
C'est impossible parce que je sais que Laurent Ruquier le cherche depuis des années. D'accord. Et qu'il a même fait un appel à témoins en disant « Si vous avez une cassette du gibier, je vous en supplie, amenez-la nous. » Vous avez vu l'affiche déjà? Non. La voici. Non, après, on a oublié. Voici l'affiche. Ça vous dit quelque chose? Le gibier, en 1975. Mais non, c'est la vraie affiche, c'est la vraie affiche. Et les images du film, vous aimeriez les voir? Oh non, non, vous n'allez pas montrer ça. Parce qu'à l'époque, il me disait que c'était vachement hard. Alors, moi, j'ai vu les images. Et je ne peux pas les diffuser, on est entre 19h et 20h. Parce que le nouveau titre du film, ça s'appelle « Les dépravés du plaisir ». C'est vrai? Mais j'ai jamais vu ni l'affiche, ni rien. Non, rien. Après, on a oublié cette affaire. Charlotte a 20 ans, on est en 1975. Regardez juste une image arrêtée, s'il vous plaît. Ça vous dit quelque chose? Allez, une autre image, peut-être, qui va lui parler. Vous voyez pas cette enceinte comme ça? Vous voyez cette espèce de grande enceinte, le portail? Ça vous dit rien du tout? Allez, une autre photo. Honnêtement, là, ça me dit rien du tout. Pourtant, c'est vous, on est d'accord? Ah oui, c'est moi. Ce sont les images du film. C'est vrai? Le gibier dont vous parlez depuis plusieurs années. Non, c'est vrai? En pensant que personne ne les retrouvera jamais. Et donc, attends, en mais j'ai 18 ans, là, 19 ans. Ouais. On est en 75. Non, c'est vrai, c'est les images du film. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, les gens vous croient dans cette naïveté. C'est vrai que... J'ai même été invité à une partout, je m'en suis pas rendu compte. Alors, voyez, franchement... C'est-à-dire, je m'en suis pas rendu compte. Mais moi, j'assume un genre de truc. Peut-être. Je suis arrivée avec un bouquet de fleurs. Vous avez rendu compte à la fin, quand même, on me demande. Ah bah oui, quand même. Mais alors, je suis arrivée avec un bouquet de fleurs. Oh, les cons, comme c'est ridicule. Non, mais c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé pour... Bah, je suis invitée par un copain qui me dit que tu veux venir à une soirée rigolote. Moi, je dis, bah oui, soirée rigolote. Bah oui, bien sûr, j'y vais. J'arrive la première. Et en plus, je trouve la déco vachement intéressante parce qu'il n'y a rien, il n'y a que des matelas par terre. Et donc, moi, je mets ma petite disquette 16e, j'arrive avec mon bouquet de fleurs et je dis à la maîtresse de maison, ah, c'est vraiment original, etc. Et puis, je me rends pas compte et je discute. Tout le monde était habillé. Au début, les gens, ils sont habillés. Et puis, à un moment, les gens ne déshabillent pas tout de suite. Et à un moment, je me suis retournée, j'ai vu que tout le monde était un peu à moitié à poil. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites, là, comme ça, tout nu? Eh bien, on a retrouvé. Là, j'ai pas peur parce que. Franchement, c'est même. On a eu la même idée là-haut. Non, mais parce que franchement, c'est pas à mon honneur, j'allais dire. Faut franchement être bête, enfin naïf, quoi, pour. Pour se retrouver là-dedans. Ouais. Bon, allez, on continue. Toujours sur les débuts, ce qui a changé un peu sa vie. Bah, Coluche. Dans le 16e, Coluche, attendez. Quand même. On me dit que Coluche a changé votre vie. Il y en a eu avant et après. Un avant et un après? Ah, bah oui, évidemment. C'est-à-dire? Bah, Coluche, ça a été un des grands tournants de ma vie personnelle, artistique. Parce que tout d'un coup... Personnel, vraiment? D'abord... Un tournant personnel, on me demande? Bah, oui, personnel, parce que moi, j'étais... Honnêtement, j'étais fascinée par Coluche. Et puis, il s'est intéressé à moi. Alors, vous vous rendez compte ce que c'est quand moi, j'avais 24 ans. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai d'intéressant pour que cet homme-là, qui est un génie absolu, me dise en plus, j'ai envie de t'écrire un one-woman show? C'est la première et unique fois de sa vie. La première et unique fois de sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu plus que ça, peut-être, quand même? Non. On me dit, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu plus que ça, quand même? Je répète la question qu'on m'a posée. Moi, oui, un peu, oui. Un petit peu, bien sûr. Bien sûr, moi, j'étais vachement amoureuse de lui. D'accord. Évidemment. Vous ne l'aviez jamais dit? Pas en public. Et oui, j'étais fascinée, c'est vrai. Fascinée. Mais c'était un homme fascinant. Et nous, on était fascinés de voir qu'elle avait réussi ça. Hein. Alors, il y a d'autres complices qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Vous êtes prêts à vous lâcher? Bon, on va la faire souffrir un peu. Ok, on continue. Alors c'est vrai qu'on plaisante beaucoup, parce qu'on est là pour rigoler, vous avez le sens de l'autodérision. Et puis vous avez réalisé un rêve de beaucoup d'acteurs, c'est de réaliser votre premier film. C'était au Mexique. Ouais. Demande-lui comment est-ce qu'on peut avoir un ouragan dans le dos et maintenir quand même le sourire, parce qu'elle est quand même la reine du sourire. Hein. On vous dit que vous êtes la reine du sourire et que vous êtes capable de maintenir une équipe en plein ouragan. Bah, je crois que absolument... Tous les emmerdements possibles, je les ai eus sur ce premier film. C'était dont un ouragan qui, et là je me suis dit, alors évidemment on n'était pas assuré. Ne parlons pas de l'ouragan dans l'équipe. Contre tout, mais pas contre l'ouragan du siècle. Et on me dit qu'il y a eu un ouragan dans l'équipe aussi. Ah, bah, ouragan des cœurs.
Mais en plus, il y avait un truc qui était extraordinaire, c'est qu'on doit être 80 à peu près dans une équipe de cinéma, et sur les 80, il y en a peut-être eu, allez, 60 qui ont changé de partenaire. Donc ça fait quand même un joli petit bordel dans une équipe de cinéma. C'était hallucinant. Il n'y avait pas un couple qui tenait. Tout le monde A était avec B. Ça a cassé des couples à droite à gauche. Ça sort comme un ouragan dans la vue. Il se lâche. Alors, votre deuxième film, ça c'est le premier, Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Mm-hmm. Et le deuxième film, c'est Les Aristos. Oui. Et vous nous dites, j'aime pas parler des Aristos. Bah, et oui, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, je vais parler des Aristos une bonne fois pour toutes. Ouais. Je vais leur raconter ma vision des choses et puis on n'en parlera plus. D'accord. Voilà. Ben voilà. Si tu veux pas parler des Aristos, dis-moi, est-ce que depuis Les Aristos, ça va nettement mieux côté cul? Ok, puisque vous ne voulez pas parler des Aristos, on me dit, est-ce que depuis Les Aristos, ça va nettement mieux côté... côté postérieur. Côté sentiment. Côté sentiment. Postérieur, on dit. Bah, c'est... Mais c'est quoi le lien? Une honte pour notre milieu, ce film. On me dit que c'est une honte pour le milieu des Aristos, ce film. Vous crachez un peu dans la soupe. Une trahison. Voilà, on a fait une erreur, c'est qu'un jour, on a organisé en Belgique une séance d'avant-première avec que des Aristos. Et en fait, les Aristos en Belgique, ils ont encore une royauté, donc on ne se moque pas quand même des Aristos. Et je reconnais que c'était un peu une cata, parce qu'au début, on quand on a annoncé le film, ils étaient vachement contents, il n'y avait plus personne qui me parlait, les gens sortaient de la salle. C'était affreux. Il y a des gens qui ont été choqués, vous le savez. Bah oui, sûrement. C'est un tissu de mensonge. Je quitte cette salle, je quitte ce plateau, c'est une honte. Il y a des gens qui sont choqués, il y a des gens qui ont été choqués, parce que c'est vrai que vous parlez des Aristos. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les rencontrez? Bah, ceux qui ne m'aiment pas, ils ne me parlent pas. Ouais. Il y a une personne qui était là ce soir, qui était assez choquée, et c'est le principe de panique dans l'oreillette, et qui m'a dit beaucoup de choses. Elle trouve que vous crachez un peu dans la soupe, elle a envie de vous affronter ce soir. Oui, mais mesdames, messieurs, j'aimerais que vous applaudissiez la baronne du Pédenone, s'il vous plaît. Qui n'a pas arrêté dans l'oreillette. Vous avez de la chance que ce n'était pas une vraie Aristo, c'est une vraie comédienne, parce qu'elle n'a pas arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez incarné une Aristo ce soir. Tout ce qu'ils auraient pu dire, vous l'avez sorti. Mais comme on a travaillé sur le film ensemble. Mais bien sûr, c'était ma belle-fille autrichienne. Alors, Armelle est comédienne. C'était Marie-Caroline qui parlait avec l'accent autrichien, car je ne suis pas allemande, je suis autrichienne, monsieur. Je vous avais souvent entendu parler des Aristos, j'avais jamais entendu les Aristos parler de vous. Et donc, elle incarnait ça ce soir. C'était Armelle qui a joué l'Aristo dans l'oreillette, vous verrez ça. Je voudrais juste rappeler que, en ce moment, vous êtes en spectacle, vous êtes sur scène. Le spectacle s'appelle Armelle. Je connais pas encore par cœur le trajet, mais je serai à Bruxelles, où on avait fait cette fameuse avant-première devant le Gotha belge le 15 février. Ça, je D'accord. serai à Bruxelles. Armelle est sur scène en ce moment. Elle est venue ce soir faire un petit happening pour nous faire plaisir et vous faire peur. Merci beaucoup. Merci Armelle. À propos des Aristos, est-ce qu'elle l'a si bien vécu que ça quand même? Est-ce que vous avez vraiment bien vécu le succès des Aristos? On me dit que vous l'avez mal vécu. Ce que j'ai mal vécu, ce sont les critiques du film. Ouais. Parce qu'avant même que le film sorte, il y avait vraiment un côté délit de sale gueule. Il y a une critique de Libération, je vais citer le journal, parce que c'est un journal qui se lit par le public. Libération disait, on n'a pas vu le film, mais on ne peut rien attendre d'une poissonnière au sang bleu. C'est vraiment sur ça dégueulasse. Ce qu'on appelle des préjugés. Je trouve, ce qu'on appelle des préjugés, et ce qu'on appelle délit de sale gueule, c'est-à-dire que on dirait ça sur d'autres gens, on dirait délit de sale gueule. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Et pour les Aristos, ça a été la même chose. Et comme ça vous prend à un moment où on sort le film, où on est vachement fragile. C'est vrai qu'honnêtement, j'ai super mal vécu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ça? On est en Patagonie. Ah, c'est un lac qui est à San Carlos de Bariloche, non? Ouais. On regarde d'ailleurs San Carlos de Bariloche. C'est San Carlos de Bariloche. Ça, c'est aussi un autre grand tournant dans ma vie. C'est quand j'ai découvert ce lieu, ce pays, les gens. Et c'est vrai que j'avais vu dans ce musée une photo d'une jeune femme entièrement nue qui tenait un bébé dans les bras. Elle allaitait son bébé. Il y avait de la glace autour d'elle.
Ils sont nus tous les deux, ils n'ont pas l'air d'avoir froid. Ils sont même recouverts d'une petite couche de neige. Et en fait, ce sont une tribu qui s'appelle les Alakalouf et les Yamana qui vivent en terre de feu. Et je ne sais pas pourquoi, ces gens m'ont bouleversée, fascinée. J'ai décidé de faire un film, une grande histoire d'amour romantique. Et malheureusement, ce film n'a jamais vu le jour. Et pourquoi, ça m'a... pourquoi vous n'en avez jamais parlé? Parce qu'il n'a pas fait, abruti. Parce que... On me dit parce qu'elle ne l'a pas fait, abruti. Mais oui. Dis-lui que si elle ne s'était pas appelée Charlotte de Turckheim, elle l'aurait peut-être fait. Je crois que tout le monde avait envie de faire ce film, mais ils n'avaient pas envie que ce soit moi qui le réalise. On me dit si elle ne s'était pas appelée Charlotte de Turckheim, le film se serait fait. Oui, exactement. Et donc ça aussi, c'était quand même une grande claque. J'ai compris à un moment qu'ils voulaient prendre le scénario, qui se trouvait magnifique, et le donner à réaliser à un autre réalisateur. On me faisait comprendre que l'idéal, ce serait Jean-Jacques Haneau, Mathieu Kassovitz, que ça, c'était un sujet pour eux. Et on me demandait même si c'est moi qui avais écrit le scénario. Et à un moment, quand même, c'est ultra violent. J'ai mis vachement de temps à m'en remettre. Mais le public pourrait penser que vous racontez ça comme un projet de plus. Et c'était pas un projet de plus pour vous. Je sens que vous avez les larmes aux yeux, je veux savoir pourquoi. J'aime pas mal ça. Ah non, arrêtez, vous allez la faire pleurer. Juste pourquoi qu'on comprenne, on va pas aller pleurer, pourquoi c'est si profond? Je sais pas. Pour les gens, c'est un métier. Et donc c'est quelque chose que vous faites, c'est pas quelque chose que vous êtes. Pourquoi c'est si touchant? Parce qu'à un moment, ce qu'on est, ce qu'on fait, c'est la même chose. Donc, quand quelque chose vous tient extrêmement à cœur et qu'on peut pas aller au bout, c'est comme un enfant, enfin pas comme un enfant mort-né, parce que le plus important, un enfant, mais c'est un truc... C'est compliqué à comprendre pour les gens qui sont partis. On arrête d'en parler. En tout cas, moi je peux vous dire. Moi je peux vous dire que je connais l'histoire de ce film, que j'ai la chance d'avoir vu beaucoup de films dans ma vie, parce que j'en ai beaucoup parlé à la télévision. Je sais que ce film va se faire, avec vous j'en suis sûr. Et je sais que c'est un délice à la gueule, et c'était un peu de ça que je voulais parler de ce soir. Et je suis persuadé que ça va se faire. Voilà. Charlotte de Turckheim, c'est un film en Patagonie. Je crois qu'on peut aussi parler de sa vie de femme et de sa vie de mère. Est-ce que votre vie de femme, votre vie de mère est parfois passée avant votre carrière? Oui. Oui, oui. C'est-à-dire? Oui, bien sûr, la chose la plus importante pour moi, c'est sont mes enfants. Elle a une relation extraordinairement fusionnelle avec vous ses filles. Vous avez une relation fusionnelle? Ouais. Vous avez une relation fusionnelle avec vos filles? Je ne sais pas ce que ça veut dire fusionnelle. Je sais que... Je les adore. Et moi, j'ai du mal à vivre sans mes filles, oui. C'est la famille idéale. Oui, ça, c'était la famille idéale, donc c'est un peu. Famille idéale, famille idéale. Ça s'est arrêté assez vite, la famille idéale. On me dit, attention, c'est pas non plus la mère idéale. Hein. Bah, attendez, alors, non, c'est vrai que le public... moi, j'étais enfermée dans les toilettes quand j'étais passage. Ma soeur, dans la cave. On me dit, le public, c'est vrai, vous voit comme la fille trop sympa, aimerait vous avoir comme mère, mais ça a été parfois dur. Vous avez mis des fois vos filles dans la cave ou dans les toilettes, ou pas? Mais celle de gauche. Oui, celle de gauche, on va la voir. Elle était particulièrement emmerdante quand sa petite sœur est née. D'accord. En plus d'être violente, elle nous foutait la honte. On me dit qu'en plus d'être violente, comme on vient de le dire, comme on essaie de le dire, vous avez parfois mis la honte à vos filles. Ah oui, ça c'est vrai. En fait, je faisais la gogole. Et donc, mon grand jeu, c'était de me mettre très loin, si vous voulez, pour que les autres mamans ne me voient pas. Et dès que je voyais ma fille qui sortait de la classe, dans la cour, je me disais « Oui, maman, il y a... » C'était horrible. J'essayais de tenir le plus longtemps jusqu'à ce que les gens se retournent, évidemment. Jusqu'à ce que la maîtresse se retourne. Et dès que la maîtresse se retournait, je faisais « Bonjour, alors ça va bien, ma fille va bien et tout. » On m'a dit en préparant l'émission que l'une de vos filles a échappé à un mariage arrangé. C'est sérieux? Ah oui, je reconnais, j'étais devenue folle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle a essayé de m'envoyer de force au Portugal. On me dit que vous avez essayé d'envoyer une de vos filles de force au Portugal. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous dites, je suis devenue folle. Qu'est-ce qui s'est passé? En préparant l'émission, elle nous a dit qu'il s'agissait d'un torero, dont voici la photo. C'était lui? Vous voulez qu'elle se marie avec lui? Moi, les gens qui toraient à cheval, je trouve ça absolument exceptionnel. Bon. Et ce jeune homme est tombé amoureux de ma fille. Alors que le taureau, il a même pas regardé.
Et le taureau, il a même pas regardé votre fille. Non, mais j'étais flattée. C'est-à-dire que j'étais. Je vivais mon rêve à travers ma gosse. C'était horrible. C'était comme la maman de Jordi. Vous voyez. C'est-à-dire que tout d'un coup, oh, mon Dieu, moi, ce que je n'avais pas pu faire, mon enfant allait le réaliser à ma place. Enfin, c'était pathétique, honnêtement. Voilà. Et Est-ce qu'elle peut parler de son goût de chiottes? C'est un jeu. On m'a parlé dans l'oreillette aussi de vos goûts. Alors, j'ose même pas répéter la formule. Vous parliez de goût, vous qualifiez comment? Goût de chiottes. J'ose pas le répéter. Mauvais goût. On me dit que vous avez mauvais goût. Bon, faut savoir un pot, non? Non, j'ai mon goût. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai développé un goût assez fort pour les couleurs très fortes. Ouais. Donc c'est vrai que chez moi, quand j'habitais l'Espagne d'abord, ouais, je me suis lâchée et c'est vrai que j'ai peint de vraiment. Il y a Gucci et elle a ses Gucciottes. Comment je pensais qu'on avait. On me dit il y a Gucci et elle a des Gucciottes. Et alors, imaginez-vous que ça devait être tellement bien que cet appartement est passé dans plein de magazines de déco. D'accord. Alors voilà. Mais il n'y a pas écrit c'est moche chez elle. Ça vous. Un magazine de déco, donc on peut le montrer. Oui. Il y a des gens autour de vous qui souffrent de vos goûts. Regardez. Bonjour. Bienvenue à la maison. Nous allons vous montrer dans quel calvaire on vit. Et on va faire vous montrer un peu que la déco que nous fait subir notre mère, c'est vraiment insupportable. Et on n'exagère pas. Et alors là, vous allez voir le salon salle à manger. C'est le drame. Bienvenue dans notre polypocket. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs entre nous, c'est le polypocket. Ah, c'est pour ça que du jaune, du vert, du rose, du bleu électrique. Oui, elle ne peut pas laisser les trucs blancs, c'est quand même un crime pour elle. Maman, c'est une intégriste de la couleur. Pour commencer simple, les fleurs en plastique qui sont là depuis à peu près quoi 15 ans, maman, tu nous as traînés depuis Barcelone et on ne s'en sépare pas, elle ne peut pas s'acheter de la fleur. On n'en peut plus. Le plus beau cadeau qu'on ait. Ça, maman, c'est le plus beau cadeau que tu nous as fait. Un joli tableau. Alors, attention, coussin derrière. Pour que ce soit plus confort. Bleu du frigo peint à la main. Ainsi que la machine à laver peint en orange à la main aussi. Pourquoi avoir acheté ça, maman? Pourquoi ça? Voilà. On aurait pu en avoir une qui soit jaune, qui est grasse de la maison. Mais non, tu nous as acheté un cabas de mamie à roulette avec un tissu écossais. On a honte d'aller faire les courses avec. Balance la roulotte, on n'en peut plus. On aurait pu avoir un canapé normal, mais non, sinon ça aurait pas été amusant. Donc on a un joli revêtement en zèbre avec des coussins roses et jaunes pour que ça aille avec. Il y a ces nappes, quoi. Là, la nappe. Toi, tu l'appelles ta nappe string, mais nous, ça nous fout juste la honte quand on invite des gens à un dîner. Disco, c'est très moche. Et puis, dans les nappes, on va vous montrer parce que c'est un peu sa nouvelle lubie depuis quelques années. Donc la plus belle. Sa nappe cousue elle-même avec un tissu qu'elle trouve super joli. Voilà, ça c'est. On demande l'avis aux Français. Franchement. Est-ce que c'est acceptable d'avoir une nappe pareille? On a le droit d'avoir une nappe comme ça chez soi. C'est deux croûtes qu'on ne supporte pas. Ça fait. Allez, 10 ans qu'on me demande de plus les avoir, 10 ans qu'on se les traîne. Elles sont moches, ça ressemble à rien. Cette fois, c'est bon, on lèche. Maman, on enlève ces croûtes. On en prend chacune une, tu vois. Et on va enfin les donner, voire les jeter, on sait pas. Et voilà. Salut les croûtes. Bye bye. Bravo. C'était la revanche de Clara et Johanna. Mesdames et messieurs, Clara et Johanna, s'il vous plaît. On dit qui aime bien, châtie bien. Oh, mais qu'elles sont jolies. D'ailleurs, on lui a fait des belles fleurs en plastique pour la maison. Bon, alors votre réaction par rapport à ce qu'on vient de voir, parce que j'imagine que c'est pas la première fois que vous l'entendez. Non, c'est pas la première fois que je l'entendais, mais je pensais que ça leur plaisait un peu quand même. Et c'est vrai que les jours, ça nous plaît un peu. Et alors, elles ont un peu balancé dans l'oreillette, hein, pour rigoler en disant que vous les aviez. Vous avez fait des sales coups. Hein. Mais elles disent que je suis un peu folle en ce moment. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Non, mais c'est parce que c'est en ce moment. Non, mais il faut dire les choses. Hein. Finalement, c'est quand même la première fois qu'on fait ça pour maman. Si elle s'en souvient, on n'a jamais fait de plateau de télé, d'interview. Mais ils n'ont jamais voulu faire ça. C'est incroyable. Bah ça. Voilà, bah, c'est Fred. Bon, mais merci. Bravo. Merci sincèrement. Oui, merci, c'était. Allez. Clara et Johanna. Et Julia, la troisième, qui vous embrasse très fort. Merci à vous. On les applaudit très très fort. Merci.
qu'est-ce que vous disiez? Ça vous fait quoi de les voir en plateau de télévision devant tout le monde? Oui, je suis sciée parce qu'elles n'ont jamais, jamais voulu ni être prises en photo, ni passer à la télé, ni faire... Je comprends. Eh bien, c'est pour ça qu'on est fiers de toi, Charlotte. D'ailleurs, pourquoi tu ne lui demandes pas d'y parler de quelque chose qu'elle en parle rarement? C'est ses orphelinats, son orphelinat en Philippines. On me dit, pourquoi est-ce que vous ne nous parlez pas de quelque chose de très important pour vous? Il paraît que vous avez aidé à la construction d'un orphelinat aux Philippines. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'Enfants d'Asie était déjà très implanté au Laos, au Cambodge. Et moi, j'ai été tourner un film il y a plus de 10 ans maintenant aux Philippines, où c'est un metteur en scène américain, atroce. Et on tournait avec des enfants des rues, avec une centaine de petites filles des rues. Et au bout de 2 mois, donc ces enfants ont vécu quasiment avec nous, ces petites filles. Et lui, son intention, c'était de les refoutre dans la rue après. Voilà. Donc c'était impossible. J'ai recontacté en fait Enfants d'Asie, puisque j'étais en fait marraine, moi je parrainais un enfant au Cambodge, et ils sont venus avec moi, et je leur ai dit, ce que vous faites dans ces pays-là est génial, est-ce que vous m'aideriez à monter un orphelinat ou une structure qui permettrait d'accueillir ces enfants? Voilà. Est-ce que le public ne sait pas c'est à quel point ça peut sauver des vies? Ah oui. C'est tellement abstrait vu d'ici. Et puis il y a des vrais prénoms qui viennent à l'esprit, des gens que vous connaissez, qui sont là-bas, moi, des gamines. Moi, il y a une petite qui évidemment, qui s'appelle Rowian, que j'ai connue, elle avait 11 ans. On a suivi son parcours pendant des années. Maintenant, elle est mariée, elle a un enfant. Elle a un vrai boulot, elle n'est pas retournée dans la rue. Et ça fait partie de nos grandes fiertés, parce que... parce que ça marche, voilà. Et que c'est quand très les concret. Gens... Et c'est très concret. Et elle a de l'importance pour vous et vous avez de l'importance pour elle, regardez. You know, Mom Charlotte, you're not just the regular sponsor who sends money to support us in the with education. You are one of the truest or the genuine heart that I knew. And with that kindness, you actually touch a lot of lives. You actually brighten up a lot of children's future. So I personally thank you from the bottom of my heart. And you know that you're my second mother, and I love you, and I love my mom. Hi, I'm Charlotte. This is Love, and your sponsor child. All I want to say is that I really miss you, and I want to see you, and I want you to be here again. And look at me, I'm getting big. And I just want to say that good luck to your career, and God bless both you and your family. And I wish you to be happy, always smile. And I just feel, you know, just missing you. I just want you to be here. And that's it. Thank you. Thank you for being there in my side. Thank you for everything. And I love you so much. Take care. Tia Charlotte, thank you very much. You are the best. Thank you. Moi, je dois dire à ceux qui nous regardent que cette association s'appelle Enfants d'Asie et donc les coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Vous pouvez parrainer un enfant pour 25€ par mois, ou 49€ pour un étudiant qui permet, voilà, ça lui permet de faire des études et de construire un avenir. Donc Enfants d'Asie, et là on voit que c'est très très concret parce qu'eux sont là pour témoigner. Voilà, c'était un des aspects de Charlotte de Turquem. Vous avez pas trop mal mené. Je vous sens étourdi. Ouais, parce que c'est des trucs forts. Je vais pleurer. Oh, c'est ridicule. Oh. Voilà, donc on a vécu plein de choses avec vous. On a vu beaucoup d'aspects de votre personnalité, surtout votre sens de l'autodérision, parce qu'on a parlé du début de carrière, où on fait parfois un peu n'importe quoi. Jamais je pleure comme ça, c'est grotesque. Allez, vous venez avec moi, maintenant il va falloir deviner qui est dans l'oreillette. Vous avez dû réfléchir. Ah non, attends, j'ai pas... Allez-y, vous pouvez leur poser une question, si vous pensez à des gens. Est-ce que tu as une petite fille qui s'appelle Ava?
On ne peut vraiment rien cacher. Ok, allez-y, continuez. Oh bah, mon père, est-ce que tu es mon papa? Oh bah non, quand même. Donc non. Est-ce que tu aurais dit de moi un jour, dans un cabaret à Barcelone, quand j'ai tapé des mains, arrête, tu me fais honte? Oui. Ok, il y a encore une personne, allez-y. Il y avait trois personnes à découvrir. Donc Jean-Marie, Victoria, une troisième personne. Est-ce que la troisième personne peut donner un indice? Lasciatemi cantare. Oh mon Dieu. Alors, le jour où... Est-ce que toi aussi tu en as eu marre de la guitare italienne? Oui mon cœur. Alors attention, donnez-nous les trois noms qu'elles vous pensez. Alors je pense à Jean-Marie Dupré. Ouais. Je pense à Victoria Abril. Ouais. Et je pense à Michel Bernier. Allez, on vérifie. Victoria Abril! Deuxième complice, s'il vous plaît. Jean-Marie Dupré, son ami, depuis toujours. Troisième complice, Michel Bernier. Venez nous rejoindre. Allez, venez. Allez, Johanna et Clara nous rejoignent également. Allez-y, installez-vous. C'est horrible, je déteste que j'ai un public. C'est vrai? Oh. Qu'est-ce qui vous émeut? Bah, d'abord, ce qui m'émeut, c'est que d'abord, c'est des gens qui comptent très fort dans ma vie. Voilà, enfin, je parle pas de mes enfants évidemment, mais celui-là, j'ai commencé ma carrière quasiment avec lui. Elle aussi, pareil. Et Victoria, elle m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Elle le sait peut-être pas, mais moi, j'étais très sérieuse, assez sérieuse quand même. Attends, après les tournages, il est passé vivre 3 ans à Barcelone. Hein. À cause de vous? Non, mais en partie aussi à cause de ça que ça a commencé avec la Colombie. Mais elle m'a appris aussi le fait d'être léger, de s'amuser, carpe diem. Aussi, la vie, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Voilà. Non, mais c'est elle qui est la reine de la banane. Parce que c'est vrai ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, quand un ouragan vient et il va te détruire ton décor, et tu as pratiquement tourné tout, donc tu vois, ton film va être cassé, il y a de quoi perdre les sourires, tu vois. Elle me disait, elle est costaud, la boche. Et moi, je disais, la boche. Mais non, elle est costaud, elle n'a jamais arrêté. J'ai dit, on ne peut pas, je ne suis pas boche, je suis alsacienne. Ça n'a rien à voir. Mais c'est la même chose. Elle est vraiment costaud, la boche. Vite l'Espagne. Michel, un mot, c'est quoi cette histoire d'Italien? On en a eu des, voilà, on a eu des Italiens. On a eu des Italiens dans notre vie. Ça a été merveilleux, ça a été très compliqué. On a beaucoup pleuré. Mais bon, voilà, on ne sait pas laisser... Et on n'en peut plus, les guitares italiennes. Et des chansons italiennes. Voilà, et on attend le folklore alsacien, une bonne fois pour toutes, parce qu'on n'en parle jamais. Et voilà. C'est vrai, voilà. Bon. Et Jean-Marie a écrit les Aristos ensemble, et maintenant c'est mon voisin du dessous, en plus. Moi, je voudrais montrer l'album que j'ai écouté, c'est La Régalade, il faut le dire. On peut vous voir sur scène d'ailleurs au Casino de Paris, si vous passez par Paris. Oui. C'est le 18... 18 novembre, c'est le unique 18 représentation, novembre. Il ne faut pas me rater. Voilà. Donc le 18 novembre au Casino de Paris, c'est un vrai spectacle. Elle est comédienne, n'oubliez pas, donc elle interprète ses chansons. Et l'album, c'est Oh là là. On peut applaudir Victoria Hervé qui est venue nous voir. Je rappelle que Charlotte sera un peu partout en France. À Boulogne-Billancourt, du 23 au 27 septembre, et partout en France, et Los Angeles, San Francisco, Italie, Suisse, Belgique, elle est en tournée avec un spectacle hilarant, comme dans la vie. Et donc, je vous remercie mille fois d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Et la devise de cette émission, qui illustre votre parcours, c'est « Quels que soient vos rêves, il faut viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. » On se retrouve samedi prochain. Ouais.